Bienvenue chez Christina la pâtissière et Nicolas le boulanger, deux amoureux qui vivent d'amour et de bon pain. Et ça ne date pas d'hier. On s'est rencontrés au collège et sachant que cette année on fête nos 30 ans, donc ça fait déjà un petit moment. 18 ans très exactement. Et au départ, ces heureux parents d'un petit mitron de 3 ans n'étaient pas prédestinés à une carrière boulangère. C'est vrai que j'étais pas du tout du métier. J'avais fait des études pour faire traductrice et puis de fil en aiguille, me voilà pâtissière. Nicolas, lui, est arrivé dans la boulangerie un peu par hasard. Le vrai déclic a eu lieu quand il a mis la main à la pâte. Il y avait un patron qui cherchait un apprenti boulanger. Je suis allé voir et il m'a pris et je me suis éclaté pendant 4 ans. Il m'a appris tout ce que je sais. C'est lui qui t'a donné la passion du pain, quoi. Oui, c'est vrai, c'était mon premier patron qui m'a vraiment donné cette envie d'aller loin et surtout de m'installer. Une passion qu'il concrétise il y a 7 ans en achetant sa propre boulangerie. Aujourd'hui, le couple emploie une dizaine de personnes et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ici, l'amour est dans le blé. Les patrons sont vraiment très bien, ils sont choupinous et le cadre est super. On a toujours voulu garder un aspect un peu familial et puis que tout le monde se sente bien. Des patrons choupinous qui fabriquent des produits à leur image, généreux et bons pour la santé. Tout ce qu'on propose à nos clients, on est sûr certain que c'est que des bonnes choses qu'il y a dedans. On choisit des produits de qualité et de plus en plus aussi des produits locaux. Pain au levain, produits naturels et amour garanti sans OGM, c'est la botte secrète qui pourrait envoyer nos amoureux vers le 7e ciel boulanger. L'amour qu'on a l'un pour l'autre, ça nous motivera toujours. Et ensemble, on n'est pas invincible, mais mieux. Bien plus fort que seul.